personne n'est comme Jésus-Christ, Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Et voici, il revient bientôt. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Car tu m'en suis entendu. Alors bonjour frères et sœurs, merci d'être présents à cette méditation de la parole de Dieu. Alors nous avons déjà commencé l'étude de ce livre du prophète Malachie. Et je vous invite à bien vouloir prendre vos Bibles, on va lire au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 13. Mais prions avant de faire la lecture. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Ta parole donne la vie. Et nous éclaire. Et nous montre le chemin à suivre. C'est pourquoi nous prions en ce moment pour que ta volonté soit faite. Pour que tu guides nos cœurs. Afin que nous connaissions ta volonté. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Alors, la parole de Dieu dit: voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs
des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Kanda n'ibindi mukora mutwikirika cyane cy'Uwiteka amarya no kuboroga mugasuhuza imitima bigatuma atita ku maturo mutura ntayakire ngo anezerwe. Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nyamara mukabaza muti impamvu niki impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganyije nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Mbese ntiyaremwe umwe naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye aremwe umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Et dans cette lecture que nous venons de faire ensemble, anga tumaze gusoma hamwe, évidemment on parle de Dieu et du mariage. Turavuga ku mana no kurushako. Mais un des reproches qui était fait à Israël à cette période, ariko icyo tubona n'Imana yagayaga Israël, ce sont des larmes et des gémissements des femmes qui venaient pleurer devant Dieu. Icyo tubona Imana yagayaga Israël hano ni umuborogo n'amarira y'abagore basindwaga. Il s'agissait des femmes qui avaient été répudiées par leur mari. N'abagore bari barasenzwe cyangwa basindwaga n'abagabo babo. Qui avaient été maltraitées et qui, dans la prière, allaient pleurer devant Dieu. Abagore basendwaga n'abagabo babo barariraga amarira yabo akagira imbere y'Imana. Évidemment, à l'époque, c'est en général les hommes qui répudiaient leurs femmes. Mu gihe cyabo ni bisanzwe ko abagabo aribo basendaga abagore. Et aujourd'hui, il est clair que les femmes aussi répudient leur mari. Ça arrive le plus souvent. Muri iki gihe rero ho n'abagore basigaye basenda abagabo babo bibaho kenshi. Et un autre élément qui est cité dans ce texte, c'est de la violence. Et récemment, j'ai parlé de la violence. Du moins, si vous avez suivi mon message, mes messages, vous avez eu à rencontrer cet enseignement. Et je parle de la violence physique, donc donner les coups. Aha ndashaka kuvuga ku makimbirane arimo no kuba abashakanye barwana. La violence verbale, des mots blessants, n'amagambo mabi arimo kubangamirana. La violence psychologique, lorsque tu méprises et tu dédaignes une personne ou tu le réduis à rien. N'amagambo mabi yo kumvisha mugenzi wawe yuko ntacyo amaze ntacyo ashoboye arimo kumusesereza. Ou alors de la violence financière, cyangwa akaba hariho amakimbirane ashingiye ku mutungo. On pourrait citer d'autres exemples, mais la violence existe. Mais toutes ces violences et toutes ces répudiations amenaient certaines personnes dans la présence de Dieu, mais avec des prières et des gémissements et des lamentations. Ako karengane rero nayo makimbirane nibyo byateye bamwe kuba bazi imbere y'Imana bakayiririra bakayinginga bakayiganyira. Et Dieu fait un reproche
éclaire à Israël par son prophète. Hanyuma Imana rero aha inyuze muri uyu muhanuzi Malaki iragaya iranenga Abisiraheli. Et dans ce texte que nous venons de lire ensemble, il y a un élément qui émerge, c'est Dieu qui montre et qui donne sa vision de mariage. Ikindi kigaragara neza aha twasomye nuko Imana ariyo itanga ishusho y'icyo yashiriyeho urugo. Tu as brisé l'alliance de la femme de ta jeunesse. Aranavuga ngo impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo guhamya ibyawe by'umugore w'umusore wariganyije uwo mwashakanye. La femme de ta jeunesse, la première femme. Uwo washatse umugore w'umusore bwawe. Donc Dieu se montre comme évidemment l'auteur et le défenseur. Aha Imana iragaragaza ko ari yo itangiza umushinga ariko ikanawurwanaho. Il est témoin. N'umugabo. Et il est aussi le protecteur. Kandi ni nayo murinzi w'urugo. Et qu'est-ce qu'on ajoute au-dessus de tout cela? Kuri ibyo ni iki twakongera? Il dit ihe ayi Imana iranga iranga ihe la répudiation iranga gusenda. Quand on dit de haïr, c'est avoir de la haine, de détester. Iyo tuvuga kwanga hano nu kwanga nu kudakunda. C'est considérer quelque chose avec répugnance. Avoir l'horreur de quelque chose. Dieu est cela. Imana iranga gusenda. Et ce groupe de population faisait quelque chose que Dieu haïssait. Hanyuma Abisirayeli bo bakoraga ibingibi Imana yanga. Dans nos sociétés actuelles, nous vivons aussi évidemment une crise sans précédent au sujet du mariage. Il y a trop de divorces, bref, trop de répudiations. Trop de violences. Trop de féminicides. Et trop de cris et de larmes dans les familles. Trop de souffrances chez les enfants dont les parents sont séparés. Mais ces cris montent vers l'Éternel. Et il n'en reste pas indifférent. C'est pourquoi nous disons merci à sa sainteté, notre Dieu. Lui qui nous permet de se pencher sur ces choses. Pour que ça nous change et que ça nous garde de tomber dans le même piège. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu interpelle son peuple. Et je vous interpelle et je m'interpelle aussi. Que personne d'entre nous ne prenne le risque de détruire ce que Dieu a construit. Faisons cesser les larmes dans les familles. Arrêtons les violences dans nos familles. Oui, tu dois le faire, mon frère et ma soeur. Chacun doit jouer son rôle. Faisons tout pour qu'il n'y ait jamais de larmes dans nos familles. Alors pour y arriver, j'ai 7 conseils que je vais vous donner très rapidement. Et j'ose croire que tu vas suivre ce message jusqu'à la fin. Ça va être très simple. Mais 7 conseils que tu pourrais évidemment agrandir ou rallonger là, tu pourrais aussi rallonger la liste. Mais l'idée est déjà lancée. Tout faire pour éviter qu'il
larmes dans ta famille. Gukora byose kugira ngo mu rugo rwawe hatabonwa amarira. Mon frère, toi qui me regardes. Mwene data onde. J'aimerais te dire une chose. Hari cyo nenda kukubwira. Évite à ce que ton épouse aille pleurer devant Dieu. Wirinde kugira ngo mwashakanye ataririre imbere y'Imana. Mais peut-être toi tu vas dire mais je ne la vois jamais pleurer. Ushobora kwibwira ngo sinjya mubona arira. Oui, elle est souffrante mais elle va pleurer à ton absence. Nibyo arababaye ariko harugarira wowe utamureba. Elle va dans son coin et prie Seigneur, voilà l'homme que j'aime comment il me fait souffrir. Akajya mu nguni aho utareba gatakiri maka ati mana rebo nashatse uko ari hangenza mbabaza. C'est vrai aussi pour la femme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font souffrir leur mari. Et ton mari, à ton absence, il se met dans son coin. Et il crie, il pleure devant Dieu. Il dit, oh Seigneur, vois ce que me fait la femme que j'ai aimée. Alors attention. Wirinde, ça c'est dangereux. Bite ugoba. Mais béni soit le Seigneur. Imana ishimwe cyane. Nous sommes décidés à faire taire toutes ces larmes et ces cris. Twiyemeje kugubihagarika no guhogosha ayo makimirane yose. Alors je donne cet conseil très vite. Reka none ntange izo nama zirindwi. Premier conseil. Inama ya mbere. Prends note s'il te plaît. Ushakaho wandike. Pour éviter qu'il y ait c'est là. Il faut d'abord reconnaître que l'époux ou l'épouse que tu as est venu de Dieu. Que c'est Dieu qui te l'a donné. Alors tu dois l'accueillir. Tu l'as déjà accueilli comme un don de Dieu. L'accueillir avec action de grâce. Comme un don. Himan. Et t'attacher à lui ou à elle. T'attacher pour ne plus jamais vous séparer. Vous savez, c'est important de savoir que cette magie-là qui a opéré pour qu'un enfant de Touy vienne et que vous vous unissez, c'est l'action invisible de Dieu. Le fait que cette personne est venue et vous vous êtes unis. C'est Dieu qui a fait que cette personne a quitté sa famille et elle est venue et vous vous êtes mariés. Imana niyo yemeye ko uwo muntu avi wabo aza gusanga kugira ngo mukore umuryango. Et vous avez formé une famille. Mwakoze umuryango. Et ça c'est Dieu qui a opéré, qui a fait cette opération. Ibyo ngibyo Imana niyo yabikoze. Alors tu dois l'accueillir. Ugomba rero kumwakira. Être reconnaissant. Remercier le Seigneur pour ce don qu'il a donné. Alors fais attention. Garde et protège ce don que Dieu t'a donné. Dans la Bible, Genèse 2:24, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Les deux s'attachent. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à réinventer le mariage. Nous n'avons pas à créer des sous-mariages au nom du mariage. Le mariage, c'est lorsque tu entres en tu t'unis avec une personne que Dieu te donne. Vous devenez un. Alors tu es toujours reconnaissant
à Dieu qui te l'a donné. Noneho ugahora ushimira Imana yamuguhaye. Après avoir remercié le Seigneur, wamara gushimira Imana, c'est la deuxième leçon ou le deuxième conseil que je te donne. Iyo ni inama ya kabiri ndi kuri ndi ngo. Tu dois inviter Dieu pour qu'il vienne vous bénir. Icyo gihe urasaba none yo guhamagara Imana uhitumira kugira ngo ize ibaho umugisha. Quand Dieu vient dans votre famille, Imana ije mu rugo rwanyu, ça va vous aider à continuer votre chemin. Birabafasha kugira ngo mukomeze inzira yanyu. En réalité, lorsque tu deviens chrétien, mu byukuri iyo umuntu abaye mu Kristo, personnellement ton cœur sera transformé à l'image de Christ. Ubwawe umutima wawe uhinduka mu ishusho rya Yesu. Et le cœur aussi de ton conjoint sera aussi transformé par cette présence divine. Hanyuma n'umutima w'umufasha wawe uwo mwashakanye nawo ugahindurwa n'uko kubaho kw'Imana. Et le fait déjà que vous êtes transformé et vous avez facile à vous unir. Hanyuma uko kuba mumaze mwese guhindurwa n'Imana bikorosha kwegerana kwanyu. Et Dieu va vous bénir davantage. Imana ikarushaho kubaha umugisha. En plus de cela, hejuru yabyo, lorsque vous vous donnez à Dieu, iyo mwihaye Imana, vous marchez selon sa parole. Icyo gihe mugenda mukurikije ubushake bwe. Dans l'amour, dans le respect d'autrui. Mukagendera mu rukundo no kubahana. D'un coup, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de cachotterie. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Lorsque tu as eu la grâce, et d'ailleurs tu as eu la grâce d'avoir un conjoint, une conjointe, il ne faut pas l'amener à un autre endroit. Amène-le. Amène-la à l'église. Parce que dans l'église, on va vous dire les choses qui vous aident à construire. Mais quand tu l'amènes ailleurs, attention, il y a des personnes qui regardent hein, avec un œil bizarre. Alors je donne ce conseil. C'est important d'inviter Dieu dans votre couple. Mais aussi tout faire pour être dans les endroits où votre famille sera édifiée. C'est important de le savoir. Parce que Dieu est l'auteur, nous l'avons dit. Et il est aussi le protecteur et le conseiller. Je vous donne juste un exemple citant Abraham. Parce que dans tout mariage, il peut y avoir des petites crises. Si vous vous souvenez, à un certain moment, lui et sa femme n'étaient pas d'accord. Mais Dieu a intervenu. Il a dit à Abraham, écoute ta femme. Parce que la promesse que je t'ai faite va s'accomplir dans le fils et que tu ailles avec elle. Et le climat a été apaisé. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait qu'aucun homme ne pourrait faire. Invite Dieu dans ton couple. Alléluia. Alléluia. Deuxième conseil. Et là, on va lire quelques versets bibliques. J'irai dans Ephésiens chapitre 5. Turasoma Abefeso igice cya gatanu. Ndasoma mbere kuri 25. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amazi kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imiribi yabo ukunda umugore we aba yikunda. Lisons encore le verset
très cher, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Makumya inichena mirungitatu haravuwa ngo kuko arina munu wakwanga umubiriwe ahugo ya ugaburira akahuku ya kuya muko Kristo abijiria itorero. Kuko turingi ngo zumubiriwe. Une autre lecture dans l'épître de Tite. Ahandi hanu dusoma mu rwandiko rwa Tito. Chapitre 2 à partir du verset 3. Igice cha kabiri duhere ku murongo wa gatatu. Que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. N'abakecuru nuko ubabwire bifate nkuko bikwiriye abera batabeshera abandi badatwarwa n'umutsima n'inzoga nyinshi bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo no kudashayisha no kwirinda gusambana no kwita ku byingo zabo no kugira neza bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Et j'attire votre attention sur le verset 4 de ce texte. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Lorsque vous êtes dans un couple, le mari doit aimer sa femme. Mais aussi la femme doit aimer son mari. Alors le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un langage compréhensible par elle ou par lui. Donc utilisez les gestes, manifestez l'amour par des gestes que l'autre peut comprendre et dire oui, il m'aime. Et il faut montrer par les manières que cette personne peut décoder, savoir que oui, vraiment, par rapport à ce que tout homme peut faire, vraiment, là, il a montré qu'il m'aime. Quand il veut quoi, buri wese akabikora ku buryo mugenzi we abona ko koko ari ibikorwa byakozwe bisunitswe n'urukundo umuntu atapfa gukora atarufite. Quand tu aimes une personne, tu vas être avec elle dans la vérité. Iyo ukunze umuntu ubana nawe mu kuri, dans la transparence, mukabana mu mucyo, et tu fais tout pour te donner à toi et donner le meilleur de toi-même. L'objectif ici d'aimer sera de rendre heureux ou heureuse. Mais lorsqu'on parle aimer, évidemment, il faut éviter aussi trop de surveillance. J'appelle ça les manières négatives de manifester l'amour. Donc les jalousies, tu vas fouiller dans son téléphone, ça ce n'est pas la manifestation d'un amour. Alors la surprotection ou le filage, toutes ces manières ne sont pas bonnes pour le mariage. Mais les gestes, les petits cadeaux, les bonnes paroles, un soutien par rapport à ce qui se fait dans la maison. Mais il faut avoir ces choses à une fréquence régulière, pas attendre 5 ans et faire un grand geste, mais c'est mieux toujours de faire des petites choses, mais régulièrement.
kandi ngo tumenyetso tugaragaza ko umwishimira ntutageze kudukora nyuma y'imyaka itanu ahubwo ukadukora mu buryo gusa nk'aho buhoraho. Quatrième conseil. Nama yakane. Tu dois amener ton conjoint à son accomplissement. Ugomba gufasha mugenzi wawe kugera ku nzozi ze. Eh, vous savez, lorsque on est jeune, on aimerait devenir quelqu'un ou quelqu'une. Iyo umuntu akiri muto aba aharanira kugira uwaba. Alors on fait des efforts, on fait des études, on aimerait être une personne spéciale. Kubw'ibyo rero umuntu akiga akagira ibyo akora kuko hari uwo aharanira kuba we. Lorsqu'on entre dans le mariage, alors c'est le temps de devenir ce qu'on a toujours rêvé être. C'est pourquoi il est important que le conjoint aide l'autre à se réaliser, à devenir la personne qu'elle a souhaité être, évidemment, dans les moyens que Dieu vous a donnés. Bashakanye ruba rugomba kugira ngo ufashe ugenzi rwabo kugera ku nzozi zabo. Demande pas à ton conjoint, à ta femme, à ton mari, qu'est-ce que tu as souhaité être dans le mariage. Umere nkubaza uwo mwashakanye uti niki wumvaga ushaka kugeraho mu rushako. Eh ben si elle a souhaité avoir une voiture d'une telle marque et que tu as l'argent, ben achète la voiture. Niba mu nzozi ze harimo kuzagura imodoka y'ubwoko runaka ukaba ufite ubushobozi yimugurire. Vous savez, ici nous parlons d'un mariage. Ah. Chacun de nous comprenne que c'est important d'atteindre son objectif. Ni ngombwa ko buri wese yumva ko ari ngombwa kugera ku nzozi z'umuntu. Et chacun doit atteindre son but pour lequel il a été créé dans ce monde. Kandi buri wese agomba kugera ku ntego yatumye abaho ku isi aremo. L'un soutenant l'autre. Buri wese ashyigikira mugenzi. Alors prenez le temps d'en parler et de vous à avancer. Reka dufate igihe cyo kubivuga twegera imbere. Cinquième conseil que je vous donne. Nama gatanu mbaha. Vous allez intégrer la soumission. N'ukugandukirana. Dans le chapitre que nous avons lu de Ephésiens 5, aho twasomye mu Efeso gatanu, cette fois-ci, on va lire le verset 20. Aho twasomye umurongo wa 20. Gatanu 20. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose mubishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nayo mukiza wacu. Lorsqu'on parle de la soumission, aha ngaho tuvuga kugandukirana, beaucoup de personnes sont arrachées par rapport à ce mot, surtout au contexte actuel. Parce que c'est très difficile d'être soumise. Mais il faut savoir ce que Dieu a voulu dire par sa parole. On parle de la soumission dans le sens où Christ a aimé, il est le sauveur, il a aimé parfaitement. Turavuga kuganduka aho Yesu yakunze akitangira. Alors c'est très difficile de décrire ce terme d'aimer. Biragoye rero kuvuga icyo kintu cyo gukunda. J'essaye d'expliquer un peu. Pour moi, c'est faire passer les intérêts de l'autre avant toute chose. Ngerageje gusanga mbisobanura gukunda ni nko gutambutsa inyungu za mugenzi wawe mbere y'izawe. Jésus s'est privé de tous ses privilèges, il est descendu jusqu'à nous. Yesu yiyambuye ibyo yari yemerewe byose aramanuka kugera kuri twebwe. Voilà la manière dont il a manifesté l'amour envers nous. Uko niko yahishuye urukundo rwe muri twebwe. Alors pour moi, si le mari choisit d'abord dans ta vie de donner la priorité aux intérêts de sa femme, mu buzima iyo umugabo ahisemo afashe uwo mwanzuro wo guha agaciro inyungu z'umugore we, ça sera beaucoup plus facile à la femme de se soumettre à lui. Ubwo
Yahweh kugandukira. Alors ce n'est plus un poids, c'est plutôt un plaisir. Ntaburo bikomeza kuba umutwaro ahubwo bihinduka. Parce qu'il fait passer ses intérêts avant toute chose. Kuko uba watambukije inyungu ze mbere izindi. Dans le cas contraire, mu buryo bunyuranye, si l'homme maintenant est égoïste, iyo umugabo noneho yikunze, en même temps il veut que la femme soit soumise, kandi akifuza ko umugore wamugandukira, là c'est grave. Aho rero biba bikomeye cyane. Alors s'il vous plaît, ça ce n'est pas ce que la parole de Dieu a déjà dit, ça devient un calvaire. Aho ndabigize bene data ko mwumve neza ko atari kwima ijambo ry'Imana ibivuga. Alors les deux doivent aller ensemble. Ibyo bibiri byose bigomba kujyana. Toi homme, tu dois avant toute chose privilégier les intérêts, les souhaits de ta femme. Wowe mugabo ugomba gushyira imbere ibyifuzo n'inyungu by'umufasha wawe. Ça, ça va attirer, ça va permettre à la femme d'être soumise sans en souffrir. Ibyo birafasha umufasha wawe kugira ngo nawe akugandukire nta mvune. Parce que la soumission dont nous enseigne la Bible, kuko kuganduka bibiliya itwigisha, ce n'est pas quelque chose de forcé. Non, ce n'est pas par contrainte. Ntabwo ari agahato, ntabwo ari ukuneshwa. C'est un choix, c'est la volonté, mais cette volonté inspirée par la volonté de Dieu, par Dieu, de céder le droit de dernier mot à son mari. Nous guhitamo kandi guhitamo kwa gushyigikiwe n'Imana, gusunikwa n'Imana kugira ngo gushaka mugenzi wawe ubutambutse mbere y'uko. Alors intégrer cette soumission dans votre vie. Tubikore mu buzima bwacu. Dans le texte que nous avons lu d'Éphésiens, anga twasomye mu Béfeso, entre chrétiens, nous sommes soumis les uns aux autres. Hagati yacu muri bene data turasabwa kugandukirana. Je parle de la première couche de la soumission. La deuxième couche maintenant, c'est la soumission de la femme à l'homme. Et les deux vont vous aider à solidifier votre famille. Mais il faut que l'homme aussi donne la priorité aux besoins et aux souhaits de sa femme. Ariko bigasaba ko umugabo atanga ashyira imbere inyungu n'ibyifuzo by'umufasha. Évidemment, cela dans le Seigneur et avec amour. Kandi ibyo akabikora abishikunze mu Mana. Sixième conseil que je vous donne. Nama gatandatu mbaha. Et je ne peux pas passer ce thème sans parler des relations intimes. Et je ne serai pas vulgaire, sachant que ce message peut être suivi par les enfants. Mais je sais que chacun de nous est concerné, surtout les mariés. Ariko nzi ko buri wese mu bashakanye arebwa nabyo cyane cyane. Même dans ce domaine, no muri ubwo buryo, un conjoint doit chercher la satisfaction de l'autre. Buri wese mu bashakanye agomba guhanira ko mugenzi we nawe anyurwa. Et c'est la volonté de Dieu. Kandi mu bushake bw'Imana. Parce que les relations intimes, évidemment, c'est un don de Dieu. Kandi uko gusabana kw'abashakanye nabyo ni impano y'Imana. C'est un facteur d'unité. Ni ikimenyetso cy'ubumwe. Mais en même temps, ça peut être décevant. Ariko ubundi gishobora kuba n'ikintu umwe yagaya mugenzi we. Et ça peut susciter des murmures, voire des grincements de dents, voire des larmes, comme nous l'avons lu dans le texte précédent. Quand nous voyons qui sera quoi, imamu yatuma umwe yinubira mugenzi we akanaririra imbere y'Imana. Alors il faut tout faire pour que ses besoins physiques soient satisfaits dans la famille. Tugomba rero gukora ibishoboka byose kugira ngo uko gushakana kw'imibiri nako rwose gusohozwe mu ngo. Chacun doit progresser, doit évoluer, doit avancer jusqu'à ce que son semblable soit vraiment satisfait. Buri wese agomba kubigiramo uruhare akabigira.
abigiramo umwete akabishiramo imbaraga kugira ngo mugenzi we abashe kunyurwa. Évidemment s'il y a un qui est malade, birumvikana ko niba hari umwe urwaye, il faut être compréhensible. Undi agomba kumwihanganira. Après tout, Dieu nous a créé bon. Kuko Imana yaturemye neza. On ne meurt pas parce qu'on n'a pas des relations intimes régulièrement. Kuko kwihangana kudakora uko gusabana kw'abashakanye kujyanye n'imibiri kumwarwaye ntabwo byica uwabyihanganiye. Personne ne mourra avec ça. Ntawe byishe ntawe byica. Évidemment, dans le cas contraire, il faut donner l'importance à cela. Kandi tugomba dukuri kubiha agaciro tukabishyira imbere. Lisons un verset biblique dans 1 Corinthiens chapitre 7. Quand somme urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7. À partir du verset ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo. Umugabo ahe umugore we bimukwiriye kandi umugore nawe abigenza cyo kumugabo we. Kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo atwarwa n'umugabo we. Kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo atwarwa n'umugore we. Nimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Kandi mwongere guhura Satani atabageragirisha iruba ry'imibiri yanyu. Alors, soyez attentifs aux réclamations de votre conjoint ou de votre conjointe. Faites attention et faites des efforts pour évoluer. Et si il peut arriver une fois ou deux fois que vous n'atteignez pas ou il n'atteignez pas le sommet qu'il désirait, utabasha kugeza mugenzi wawe aho yifuza kugira ngo anyurwe. Ça peut arriver aussi. Bishobora kubaho. Ça dépend aussi de saison ou autre chose, je n'en sais rien. Bishobora guterwa n'igihe cyangwa izindi mpamvu. Mais j'ai un conseil à vous donner. Ariko njye mfite inama nabaha. Il faut parfois se contenter et de faire cadeau à l'autre. Ni na byiza rimwe kumva ko uhaye impano mugenzi wawe. Et c'est aussi important dans le mariage. Ni na ngombwa cyane mu bushako. Il faut tout faire pour éviter d'aller ailleurs ou de chercher, évidemment, des problèmes, surtout jamais mépriser l'autre. C'est pourquoi il faut faire des efforts et évoluer. Parce qu'on ne peut pas faire cadeau éternellement. Donc à un certain moment, s'il y a vraiment des problèmes, faites-vous aider, demandez conseil. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux placés, vous en connaissant un, qui pourrait vous aider certainement et vous donner conseil par rapport à cela. Ça serait moins honteux de demander conseil que d'aller de l'autre côté, voire même permettre à l'ennemi d'entrer. Kuko harabantu babihugukiwemo bashobora kubagira inama kandi ntabwo bisuzuguje gusaba inama yatuma bigenda neza kurenza uko umuntu yajya hanze agaharabika agasuzuguza mugenzi we. Alors s'il vous plaît, donc le sixième conseil, cherchez tout à satisfaire votre conjoint, votre conjointe. C'est votre mission et c'est la volonté de Dieu. Inama ya gatandatu ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo unezeze mugenzi wawe uwo mwashakanye. Le dernier conseil, nama ya nyuma, concerne évidemment la gestion des biens. Irarebana n'icungamutungo. La gestion des biens aussi parfois amène beaucoup de difficultés et c'est important que nous en parlons. Icungamutungo naryo igiteza ibazo byinshi niyo mpamvu tubivugaho. Dieu a voulu que vous soyez unis. Imana yashimye ko muba umwe. Alors restez attachés l'un à l'autre jusqu'à la mort. Mwegerane rero muba umwe kugeza ku rupfu. Riche, pauvre, malade, en bonne santé, locataire ou propriétaire, restez unis. Dieu vous donnera de la
ce que vous avez. Uko kwegirana kwanyu kuzatuma Imana ibaha ibyishimo mu rugo rwanyu. Après tout, personne n'a pris sa maison dans la tombe. Kuko nubundi nta wigeze ajyana inzu ye mwirimbi mumva. Dieu vous bénira si vous restez unis. Imana izaba umugisha nimukomeza kuba umwe. Alors mon conseil, inama yanjye rero, c'est de comprendre que tous les revenus sont communs. Nukumva ko umutungo wose ari rusange. Apprenez à gérer vos biens que Dieu vous donne ensemble. Mwige gucunga uwo mutungo hamwe. Donnez la possibilité et à l'autre, s'il vous plaît, et un droit de regard sur les biens que vous avez. Buri wese mubashakanye agaha mugenzi we uburyo bwo kugira ibyo areba n'icyo yavuga ku bisubizo. Stade revenu de tout genre que vous avez à la maison. Umushahara amafaranga yinjira aho yabaturutse hose agana urugo. Prenez le temps d'en parler. Mufate kandi kubiganira. Et si vous n'êtes pas d'accord? Alors ne soyez pas pressé. Prenez le temps de réfléchir, de méditer. Pourquoi pas demander conseil aussi aux autres? Pourquoi décider seul sur un sujet qui va blesser le cœur de ton semblable? Il y a une chose dont je dois sur laquelle je dois vous éclairer. Lorsqu'on blesse un cœur, il se guérit difficilement. Alors il faut faire attention. C'est pourquoi il faut apprendre une gestion commune de tout ce que vous avez. Voilà le conseil que j'aimerais vous donner. Et pour que vous appreniez à bien gérer votre famille. Faites des efforts, méditez la parole de Dieu, vous trouverez d'autres éléments qui vous aideront. Seulement, en ce moment, apprenez à remercier le Seigneur pour la femme ou l'homme que Dieu vous a donné. C'est un don de Dieu. Tu te tourneras vers lui ou vers elle, tu diras, tu es un don de Dieu pour moi. Alors, à deux, vous invitez Dieu de venir vous bénir. Pour qu'il vous aide, pour qu'il protège votre mariage, pour qu'il mette à votre disposition des provisions nécessaires dont vous avez besoin pour vous et pour vos enfants. Et désormais, apprends à utiliser un langage qui est la femme ou l'homme va comprendre vraiment que tu l'aimes. Des petits gestes, des petits cadeaux hein, qui sont fréquents pour montrer vraiment que tu aimes. Cette personne que tu as à la maison ne sait pas lire dans ton cœur. Alors, tu dois sortir ce qui est dans ton cœur, l'exprimer verbalement par des gestes. Tu dois l'aider à devenir ce qu'elle a toujours rêvé être. Ce qu'il a voulu être. Tu dois tout faire. Et dans l'amour de Dieu. Vous devez intégrer cet aspect de soumission. Le fait que vous êtes ensemble, vous devez quelque part avoir cette manière de vivre. Toi, homme, papa, apprends à donner les priorités. Priorité. Sont les souhaits de ton épouse. Parce que ça va la permettre à se soumettre
facilement. Kuko muko bityo uzamufasha nawe kugira ngo akugambukire bimworohe. Impressi bizamubira umunezero. Hallelujah. Hallelujah. Et Dieu vous bénira. Kandi Imana izabaha umugisha. Cherchez à tout prix à satisfaire l'un l'autre dans vos relations intimes. Muharanire kugira ngo munezezanye mu busabane bwanyu bw'abashaka. Et puis accueillez paisiblement la vie que Dieu vous a donnée. Kandi mwakire neza ubuzima Imana. Et gérez vos biens en commun et ensemble. Kandi mutungo Imana yabahaye mucungane hamwe. Ne permettez jamais que l'ennemi entre détruire votre famille par le lien de l'argent. N'aimerez pas umwanzi asenya urugo rwanyu abinyujije mu mafaranga. Parce que lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez nus, vous n'aviez pas d'argent. Kuko ubwo mwazaga ku isi mwari mwambaye ubusa nta mafaranga mwari mufite. Que Dieu soit loué. Imana ihimbazwe. Alors prions ensemble. Dusenge. Seigneur Dieu tout puissant. Imana ishobora byose. Je te prie pour les familles qui ont entendu ce message. Nsenze kuko imiryango yumvise iri jambo. Nous, Seigneur, à bien appliquer ta parole. Je te prie pour que tu aides les familles qui ont des difficultés en ce moment. Je te prie pour qu'il y ait réconciliation. Retour à la raison. Que règne la paix. Seigneur, nous arrêtons, Seigneur, au nom de Jésus, ce fléau de divorce. Nous prions pour que tu donnes la sagesse à tes enfants. Et que Seigneur la paix règne dans les familles. Pardonne, Seigneur, ton peuple à cause des larmes qui ont coulé. Et je prie pour qu'il y ait des réconciliations, Seigneur. Que les familles qui étaient divisées, Seigneur, se réconcilient. Et que règne la paix au nom de Jésus. Amen. Amen.